Attention, ces images peuvent choquer les plus sensibles d'entre vous. Karen est une femme de 50 ans. Elle est hospitalisée à l'hôpital de New Jersey après une opération pour traiter son épilepsie. Vers 1h30 du matin, les infirmières reçoivent un message d'alerte provenant de sa chambre. Quand elles voient Karen, elles appellent d'urgence le neurologue de garde et la sécurité. Voici les images enregistrées cette nuit-là. Karen se fait frapper au visage plusieurs fois. L'équipe médicale tente de stopper l'agression, mais ils sont en état de choc. Karen se fait martyriser par sa main droite, devenue incontrôlable depuis plusieurs minutes. Ce trouble s'appelle le syndrome de la main alien. C'est une maladie super rare où le patient perd totalement le contrôle d'un membre. C'est pas toujours des agressions comme avec Karen, mais ça peut être une main qui te tire les cheveux, qui renverse tes affaires ou même qui te déshabille en pleine rue. Oui, c'est vraiment arrivé. On peut l'avoir quand une de ces trois régions du cerveau sont endommagées. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement parce qu'on n'a pas pu bien l'étudier vu qu'elle est super rare. Mais tu peux dormir tranquille, c'est très peu probable que tu...